Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette web conférence papillomavirus. Mieux comprendre le dépistage et la prévention, c'est mieux se protéger. Partenariat de l'équipe du professeur Usan de la Pitié-Salpêtrière, de l'association Patients en réseau et de Dis-moi Santé. Cette web conférence n'est pas une téléconsultation, nous ne prenons en compte que des questions d'ordre général. Pour toute question d'ordre personnel, nous vous invitons à consulter votre gynécologue ou votre médecin traitant. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente web conférence et nous accueillons donc le professeur Usan. Professeur Usan, je vais faire une petite biographie vous-même. Après 10 ans de travail, vous êtes maintenant chef de service de chirurgie et cancérologie gynécologique et mammaire spécialisée dans la prise en charge des cancers gynécologiques et mammaires chez les jeunes femmes. Vous êtes experte en chirurgie mini-invasive et membre de la Task Force européenne cancer et grossesse. Vous êtes investie dans le dépistage et votre service est l'un des premiers à proposer une plateforme d'évaluation des risques de cancer du sein. Merci infiniment d'être parmi nous ce soir et d'avoir initié cette web conférence. La parole est à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous, parce que j'ai vu avec plaisir qu'il n'y avait pas que des femmes qui s'étaient inscrites à ce webinaire. Merci à mon réseau Cancer du sein et Dis-moi Santé de nous avoir suivis dans cette proposition qui est motivée par différents éléments. La première chose, c'est qu'on constate beaucoup de méconnaissances et beaucoup de questionnements vis-à-vis du dépistage des lésions du col utérin. Une anecdote, ma secrétaire me contacte en me disant « on vous demande un rendez-vous urgent, une jeune femme très inquiète, elle a un cancer ». Et quand je la vois, en fait, elle venait pour un résultat de papillomavirus sur son prélèvement. Et il ne s'agissait bien évidemment pas de cancer. Et en fait, la question, elle se pose quotidiennement pour beaucoup de gens. Donc ça, c'est la première constatation, une certaine méconnaissance. Deuxième constatation, le dépistage a changé. Et il y a un élément vraiment majeur, et ça, Jean-Luc Mergui et Jean-Froid Canlorbe, qui travaillent avec moi à la Pitié-Salpêtrière, vont vous l'expliquer. Il y a eu vraiment un changement dans les modalités, et notamment avec l'usage du test HPV. Et puis le troisième élément, c'est que nous avons appris à utiliser ces outils pendant la crise du Covid, mais aussi pendant cette crise, le dépistage a été mis de côté. Et notre inquiétude, ça peut être l'effet d'une deuxième vague, qui ne soit pas une deuxième vague liée au Covid, mais une deuxième vague liée au fait que les gens perdent le contact avec l'hôpital et avec leur médecin de ville pour tout ce qui concerne le dépistage. Il serait vraiment dommageable de perdre ce contact-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu proposer cette proposition d'information et nous vous remercions d'être aussi nombreux aujourd'hui. Merci infiniment. Donc en premier intervenant, nous allons accueillir Lorraine. Donc Lorraine qui est une jeune femme qui a été traitée pour une infection au papillomavirus, car vous allez l'entendre, le papillomavirus touche de nombreuses femmes, des couples qui sont confrontés à ce virus avec un parcours de patient à comprendre, des ressentis à analyser. Donc nous voulons vraiment lui laisser une place importante. Et au nom de toute l'équipe, Lorraine, merci infiniment d'avoir accepté de venir partager avec vous. Merci à vous. Vécu, parce qu'il n'est pas toujours facile de parler de son intimité et pourtant ce sujet nous concerne tous et il est important d'être informé, de démystifier pour améliorer son dépistage. Donc voilà, Lorraine, c'est à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole que vous me donnez ici. Donc bonjour à tous, donc, j'interviens ici anonymement, je préfère, en tant que patiente. J'ai 26 ans et je suis psychologue, donc j'ai accepté de raconter mon histoire et mon expérience car j'estime qu'il est plus que nécessaire de sensibiliser les femmes et les jeunes femmes aux pathologies de leur intimité. Nous en parlons de plus en plus, mais ça ne sera jamais assez tant que des femmes continueront d'en souffrir et parfois malheureusement d'en mourir. Je précise d'emblée que je n'ai pas été vaccinée contre le papillomavirus. Mon médecin traitant n'était pas favorable à cette idée, étant donné qu'il y avait des maladies auto-immunes dans ma famille et qu'il en craignait le déclenchement chez moi. Il disait que la recherche ne disposait pas d'assez de recul nécessaire sur les effets secondaires de ces injections. En septembre 2017, donc, je suis allée faire mon frottis chez ma gynécologue. C'est alors pour moi une visite de routine que je fais tous les ans depuis mes 16 ans.
Je ne suis pas inquiète, j'ai d'ailleurs fait un dépistage massif d'IST et de MST 2 mois auparavant, commençant une relation amoureuse sérieuse dont les résultats sont tous revenus négatifs. Je pensais donc que ce résultat-là serait lui aussi normal. N'ayant pas de retour dans le délai habituel, j'ai commencé à m'inquiéter et ai appelé le secrétariat de ma gynécologue qui m'a dit, tel quel et d'un ton plutôt enjoué, « Ah oui, on a reçu vos résultats, mais vous, si vous ne les avez pas reçus, c'est qu'il y a un problème. » Sa réaction, je pense, a été très défensive parce que ce n'est pas son rôle d'annoncer quoi que ce soit en tant que secrétariat de la gynécologue, mais cela a été extrêmement violent pour moi. J'ai raccroché parce que ma gynécologue n'était pas disponible tout de suite et je me suis mise à beaucoup penser. J'ai pensé cancer, comme l'a dit à l'instant le professeur Usan, quand on a une infection à papillomavirus, on pense tout de suite cancer. Et j'ai beaucoup pensé parce que je ne savais rien. En tant que psychologue, je suis bien placée pour savoir que le psychisme ne supporte pas l'inconnu et qu'il peut mouliner des heures sur des choses qu'il ne sait pas et ne voit pas. Et c'est bien toute la difficulté de l'intime, souvent on ne voit rien et on ne sent rien. Lorsque ma gynéco m'a rappelé, j'étais en larmes. C'est une femme d'une nature peu empathique, qui me suit par habitude, mais qui me met rarement à l'aise. Elle m'a expliqué qu'il y avait un problème dans les résultats de mon frottis et qu'il fallait que j'aille faire une colposcopie. Première fois que j'entendais ce terme, colposcopie. Elle m'a sèchement demandé d'arrêter de pleurer, m'a dit que généralement ce problème disparaissait seul, que c'était fréquent, etc. Je me sentais paralysée par la peur et je ne me souviens pas de tout ce qu'elle a pu me dire à ce moment-là. Elle m'a donné le nom d'une médecin qui pratiquait cet acte médical dans le département de mon domicile. Lorsqu'elle a raccroché, je n'étais toujours pas rassurée. Malheureusement pour moi, cette médecin était injoignable. Son secrétariat a sonné dans le vide pendant plusieurs jours. Il n'y avait pas de prise de rendez-vous possible sur Internet et personne sur place. Car oui, j'ai fini par me déplacer dans l'espoir d'avoir des informations. J'ai pu finalement obtenir un rendez-vous avec elle pour la fin décembre et également son mail. Pour rappel, nous étions en septembre. La fin décembre me semblait donc être une éternité tellement j'étais angoissée. J'ai pris le parti de contacter cette femme, lui demandant si elle avait éventuellement des créneaux d'urgence. Je ne savais pas encore de quoi je souffrais, ni vraiment ce qui découlerait par la suite des examens, s'il fallait se dépêcher, etc. Elle m'a répondu que je devais attendre, qu'il n'y avait pas d'urgence et que je pouvais faire du sport pour me déstresser en attendant décembre. Autre violence pour moi. Vous exprimez votre peur, votre méconnaissance de la pathologie et on vous répond d'aller faire du sport. Ayant décidé de ne pas attendre plus longtemps, j'ai entrepris des recherches et des démarches de mon côté. Déjà, qu'est-ce qu'une colposcopie? Est-ce que ça fait mal? Qui pratique cela? Où fait-on cela? Et je suis tombée sur le site du docteur Mergui, médecin spécialisé dans cette prise en charge. Le délai de rendez-vous était tout à fait raisonnable et je l'ai rencontré en octobre, donc 2017 toujours. Le docteur Mergui m'a rassurée, m'a expliqué que nous étions toutes... Et j'ai l'impression que quelqu'un parle en même temps, pardon, je ne sais pas s'il y a une question. Non, non, je continue, pardon. Donc le docteur Mergui m'a rassurée, m'a expliqué que nous étions toutes et tous porteurs d'une forme de papillomavirus. Pardonnez-moi si je me trompe, j'étais très angoissée ce jour-là. Que dans 75% des cas, le virus disparaissait tout seul au bout de 2 ans environ. J'étais inquiète pour moi, mais aussi pour mon conjoint avec qui j'étais depuis seulement 4 mois et avec lequel je suis encore aujourd'hui. Je crois que j'étais encore plus inquiète à l'idée d'avoir fait du mal à quelqu'un d'autre qu'à moi-même, mais ça c'est une autre histoire. Pour le moment, je ne pourrais pas dire que le virus ait eu un impact sur notre sexualité. Nous sommes tous les deux épanouis et j'espère que ce virus n'en aura jamais. Je n'ai pas eu de soins encore, juste un suivi régulier, mais est-ce qu'un traitement laser pourrait avoir un impact sur cela? Je dois avouer que depuis quelques mois, certaines questions me taraudent car nous avançons dans notre relation. Quel risque lors d'une grossesse? Est-ce que je peux contaminer mon bébé? Est-ce que ma pathologie peut s'aggraver? Est-ce que le laser pourrait représenter également un risque pour mener une grossesse à son terme? Mon virus à moi a été évolutif et a été suivi tous les 6 mois depuis octobre 2017. D'abord localisé uniquement au niveau du col de l'utérus, il s'est aussi développé au niveau de mon vagin plusieurs mois après. Au bout de 2 ans, il a disparu du col et à ce jour n'est pas revenu, ce qui représente un immense soulagement pour moi à chaque consultation. La question se pose aujourd'hui de faire du laser au niveau vaginal, ce qui suscite de nouvelles peurs et angoisses pour moi. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, je vois bien les mécanismes d'évitement que je mets en place pour ne pas y penser. Si j'ai accepté de participer à ce webinaire aujourd'hui, c'est réellement dans le but d'appuyer le travail de prévention et de dépistage auprès des plus jeunes. On peut en discuter, même si on n'est pas encore en âge de faire des frottis.
car plus la prise en charge et la surveillance sont précoces, plus les chances de guérir sont importantes. Ou au moins, peut-on éviter des chirurgies plus lourdes qui ont, elles, beaucoup plus de conséquences physiques et psychiques. Je trouverais important aussi que les gynécologues suivent régulièrement des formations sur la notion de prise en charge de la réalité et du vécu de leurs patientes. Il y a beaucoup de peur, car comme je l'expliquais avant, ne voyant rien, nous ne savons rien. Vous êtes les sachants, les médecins, et on a besoin de se sentir respectés et entendus. C'est ce que j'ai trouvé auprès du docteur Mergui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. C'était une intervention extrêmement utile, je crois, d'entendre votre témoignage. Et vous avez aussi à la fois partagé des moments délicats dans l'échange dans ce parcours, mais aussi plein de questions, je pense, que se posent beaucoup de personnes et auxquelles on va pouvoir répondre à travers les présentations. Mergui, vous avez entendu toutes les questions de Lorraine qui sont sûrement représentatives d'énormément de patientes. Donc, nous vous accueillons. Vous êtes présidente de la Société française de colposcopie et l'unité de colposcopie du service de chirurgie cancérologie gynécologique de la Pitié, et vous êtes chargée de l'enseignement de la colposcopie à la Pitié. Bonsoir Monsieur Mergui. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir aux organisateurs pour nous avoir permis d'expliquer ce qu'est le papillomavirus, parce que c'est un virus dont on entend beaucoup parler et qui inquiète, comme vous l'avez vu, souvent les patientes quand on le découvre, et on va le découvrir de plus en plus souvent parce qu'il y a un changement des méthodes de dépistage. Et je voulais essayer de vous expliquer en quelques minutes ce qu'est le papillomavirus, de quoi il est responsable, comment il arrive, comment il disparaît aussi, souvent très rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce papillomavirus ? Ce papillomavirus, vous le connaissez tous, au fond, parce que c'est celui qui est responsable, par exemple, des verrues vulgaires, des verrues qu'on a au niveau des pieds, ou des verrues plantaires, ou au niveau des doigts, surtout quand on est enfant, et très peu quand on est adulte, parce que ces verrues disparaissent avec le temps, parce qu'on s'immunise, et que les enfants ont ces lésions, et que les adultes ne les ont plus, parce qu'ils se sont immunisés contre ces virus. Et donc, c'est le virus HPV cutané. Cet HPV cutané peut être aussi, ce papillomavirus, atteindre les muqueuses, et notamment les muqueuses génitales, la vulve, le vagin, le col, mais également l'anus. Et ces verrues, ce papillomavirus peut avoir deux groupes de papillomavirus. Il y a des virus gentils, que l'on dit à bas risque, et qui vont donner ce qu'on appelle les crêtes de coq, les condylomes exophytiques, les papillomes. C'est-à-dire des verrues que l'on voit, que l'on sent, que l'on peut visualiser et qui sont souvent gênantes, mais pas dangereuses. Et puis, il y a d'autres virus qu'on appelle les virus à haut risque. Ces virus-là peuvent transformer les cellules quand ils rentrent dedans et entraîner des lésions sur le col, sur le vagin, sur la vulve, sur l'anus. Et on vient de découvrir plus récemment que ça peut même parfois donner, mais c'est très, très rare, beaucoup plus rare, des lésions au niveau des amygdales, c'est-à-dire au niveau du pharynx dans la gorge. Donc, on sait que ces virus peuvent être responsables d'un grand nombre de lésions qui sont le plus fréquents au niveau du col. Et c'est pour ça qu'on fait le dépistage du papillomavirus pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Je ne sais pas comment on passe à la diapositive suivante. Voilà. Et donc, quand on regarde comment on attrape ce papillomavirus, eh bien, on voit ici le premier rapport sexuel qui a lieu à peu près à l'âge de 17 ans. Et vous voyez qu'après l'âge de 17 ans, très rapidement, il y a une courbe très grande en bleu qui va atteindre jusqu'à 30% de la population par tranche d'âge. Et vous voyez qu'on a 5 ans après le premier rapport sexuel, à l'âge de 25 ans par exemple, 30% de la population qui est porteuse d'un papillomavirus à haut risque. Et on estime qu'entre 18 et 25 ans, pendant les 7 ans de la première, les 7 premières années de la vie sexuelle, eh bien 80% d'entre nous, 80%, vont être en contact avec ces papillomavirus à haut risque, ceux qui sont dangereux pour le col, le vagin, la vulve et éventuellement l'anus. Donc, l'ensemble d'entre nous sommes, à un moment donné, porteurs de ce virus. Mais fort heureusement, comme vous pouvez le voir après, à l'âge de 40, 45... Non, pardon, laissez la courbe, pardon. À l'âge de 40, 45 ans, 50 ans, 60 ans, on n'a plus que 5 à 10% de la population qui est porteur d'un papillomavirus. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on a tous été contaminés au début de notre vie sexuelle, entre 18 et 25 ans, eh bien, on fait notre immunité et 90% d'entre nous vont faire disparaître ce virus grâce à notre immunité, alors qu'on n'a plus que les 10% résiduels, c'est-à-dire les 10% des gens qui ne s'immunisent pas bien contre ce virus parce qu'ils le tolèrent, parce qu'ils l'acceptent, si j'ose dire, et que ce virus n'est pas éliminé par l'immunité naturelle. Donc, le virus, on l'attrape tous au cours de nos premiers rapports, et puis ensuite, on s'immunise
et on le fait disparaître. On appelle ça la clairance, le nettoyage, la disparition du virus, sauf pour 10% d'entre nous. Que se passe-t-il si le virus persiste? C'est la suivante, l'image suivante. Eh bien, on voit ici que ce qui est dangereux, ce n'est pas que le virus soit positif. Ce qui est vraiment dangereux, c'est que le virus reste positif à plusieurs tests. Et on voit que quand le virus, dans la courbe d'en haut, est positif, positif, c'est-à-dire deux fois positif, eh bien, le risque d'avoir une lésion sur le col de l'utérus, une lésion qui peut éventuellement évoluer vers un cancer du col, eh bien, quand il reste positif, eh bien, ce risque à 10 ans est de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas d'être porteur du virus, c'est d'être porteur chronique du virus, de ne plus l'éliminer parce qu'on n'arrive pas, avec son immunité, à le faire disparaître. Une courbe qui est très intéressante et très importante pour bien comprendre. La courbe en bleu ciel, c'est la courbe du papillomavirus. La courbe en bleu marine, c'est la courbe du cancer du col. Et on voit qu'entre le pic de prévalence, le pic de l'incidence des infections HPV et le premier pic du cancer du col, il se passe 20 ans. Entre 20 et le premier pic, c'est aux alentours de 40-41 ans. Eh bien, ces 20 ans, c'est la persistance du virus pendant 20 ans qui va transformer les cellules. Et donc, le rôle des praticiens que nous sommes, eh bien, c'est de dépister pendant ces 20 ans l'infection persistante au papillomavirus ou de dépister les lésions qu'il va entraîner sur le col, le vagin ou la vulve pour les traiter et éviter que 20 ans plus tard, on ait un pic de cancer du col. Et il y a donc finalement deux façons d'éviter ces cancers, à la fois du col, du vagin, de la vulve, de l'anus, mais aussi ORL, et à la fois, cet ORL est à la fois pour les hommes et pour les femmes, puisqu'il peut y avoir une transmission au niveau des hommes, et les hommes peuvent ne pas éliminer également ce virus. Il y a donc deux façons de se prémunir de ce papillomavirus. La façon traditionnelle, c'était le dépistage, c'est-à-dire on fait un frottis du col, et on recherche sur le frottis du col les anomalies du frottis, c'est ce qu'on fait entre 25 et 30 ans. Plus récemment, maintenant, on va le voir avec ce que va dire Geoffroy tout à l'heure, on a changé la façon de dépister et non, on va non plus dépister les anomalies qu'entraîne le papillomavirus, mais on va dépister la présence ou non du papillomavirus lui-même. Et c'est ce qu'on fait entre 30 et 65 ans. Pourquoi entre 30 et 65 ans? Parce qu'entre 25 et 30 ans, il y a encore un pic important de papillomavirus, on n'a pas fait sa clairance, ça ne sert à rien de le dépister parce qu'il va disparaître, alors qu'entre 30 et 65 ans, on sait que quand le virus est là, c'est qu'il a persisté un peu plus longtemps. Donc, il est utile de le dépister à ce moment-là. Ça, c'est le dépistage traditionnel. Et puis, il y a une autre façon d'éviter l'infection par le papillomavirus. Cette autre façon, c'est d'empêcher le papillomavirus d'arriver chez nous. Et pour l'empêcher d'arriver chez nous, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est la vaccination. Cette vaccination est très efficace. On en parlera probablement tout à l'heure, tous ensemble. La vaccination, c'est les petites filles et maintenant, les garçons aussi, entre 11 et 14 ans, donc avant d'avoir eu un contact sexuel, avant d'avoir été en contact avec ce papillomavirus, il est important de vacciner, c'est-à-dire de faire une immunité avant que le virus n'arrive. Comme ça, ce virus n'arrive jamais dans le corps, puisque à ce moment-là, les anticorps vont le bloquer. Et on peut faire un rattrapage, c'est-à-dire une vaccination un peu plus tardive, entre 15 et 19 ans. Plus on le fait tard, moins c'est bien efficace parce que si on a commencé sa vie sexuelle, ben, on ne vaccine pas quelqu'un de la rubéole quand il a déjà attrapé la rubéole, on le vaccine avant pour ne pas que la rubéole arrive. Et donc voilà un petit peu schématiquement ce que je voulais vous expliquer pour essayer de bien comprendre ce qu'est le papillomavirus, comment on l'attrape, c'est au cours des rapports sexuels, comment il disparaît dans 90% des cas spontanément sans qu'on fasse rien et va guérir. Et quand il persiste, eh bien, notre rôle c'est de le dépister, de le surveiller et en même temps de l'explorer, parfois de le traiter. Merci. Voilà, peut-être que je laisse la parole à Geoffroy, peut-être, pour parler des méthodes de dépistage actif. Donc, bienvenue. Vous êtes gynécologue obstétricien au sein du service du professeur Usan, maître de conférence universitaire à la Sorbonne Université, spécialisé notamment dans le suivi et la prise en charge chirurgicale des patients présentant une lésion gynécologique précancéreuse ou cancéreuse. Et vous êtes membre du bureau de la Société française de colposcopie et de pathologie cervico-vaginale, secrétaire aux affaires scientifiques. Monsieur Canlor, donc pourriez-vous nous expliquer à qui s'adresse le dépistage des lésions du col et comment il se réalise? Bien, bonjour à tous, donc j'espère que vous m'entendez bien.
Alors, j'avais également préparé quelques diapositives que vous avez parvenir, donc si jamais on peut les... Exactement, voilà. Donc mon sujet, dépistage et lésions du col de l'utérus, pour qui et comment, donc c'est ce que je vais vous expliquer pendant quelques minutes. Ce qu'il faut voir, c'est que les modalités du dépistage ont changé, et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Avant 2019, on savait tous et toutes qu'il fallait faire un frottis cervico-utérin, donc je vais expliquer exactement de quoi il s'agit. À partir de 25 ans, puis un autre à 26 ans, puis on disait qu'il fallait le répéter tous les 3 ans jusqu'à 65 ans. Donc ça, c'était le dépistage en France. Et puis les choses ont changé, puisque maintenant, donc, on a toujours le frottis cervico-utérin le premier à 25 ans, le deuxième à 26 ans, puis tous les 3 ans, mais là, c'est jusqu'à 30 ans, le frottis. Et à partir de 30 ans, on passe au test HPV. Et ce test HPV, s'il est négatif, il est tous les 5 ans, jusqu'à 65 ans. Donc, vous voyez, il y a eu quelques différences. D'abord, pour vous rappeler ce que c'est qu'un frottis, qu'est-ce que c'est qu'un test HPV ? Ce sont deux choses différentes, mais qu'on va effectuer avec le même prélèvement cervical. C'est-à-dire que les modalités du prélèvement sont les mêmes. Le principe, c'est d'avoir une espèce de petite brosse que l'on va appliquer au niveau du col de l'utérus que vous voyez sur l'image ici. Et en fait, cette brosse va venir racler à l'aveugle les cellules qu'il y a à la surface du col pour essayer de rechercher si jamais il y a des cellules anormales et qui auraient été rendues anormales par la présence de l'HPV. Donc ça, c'est le frottis, c'est là une analyse des cellules. Et il va en même temps racler la présence éventuellement de virus à ce niveau-là pour pouvoir l'analyser. Donc le gynécologue en pratique, ce prélèvement cervical, il le fait en cabinet de consultation, lors d'un examen gynécologique, il applique son spéculum, il met le spéculum, il voit le col utérus, et puis il va appliquer la petite brosse au niveau du col. Une fois qu'il a fait ce prélèvement, le prélèvement dans un milieu liquide, donc dans un milieu liquide qu'il a, et ce milieu liquide va recueillir à la fois les cellules qui ont été raclées et également le virus. Puis le prélèvement est envoyé au laboratoire et on va pouvoir identifier à partir de ce prélèvement si jamais il y a des cellules anormales ou bien si jamais il y a la présence de l'HPV, ce que je vais vous montrer. L'objectif, c'est de voir donc si jamais au frottis, on a des cellules anormales finalement. Et je vous ai bien expliqué que ces cellules anormales, elles étaient un petit peu raclées finalement, un petit peu hasard au niveau du col. Mais quand on trouve une anomalie, finalement, on ne sait pas exactement d'où sur le col elle provient. Est-ce que c'était plutôt en haut, en bas, à droite, à gauche? Parce qu'en fait, ces anomalies, elles sont invisibles, puisqu'elles sont en fait, c'est pas un cancer, c'est quelque chose qui est encore très petit, qui est en cours d'évolution. Et donc, quand on a un frottis anormal, le principe, c'est d'aller voir son gynécologue pour faire ce qu'on appelle une colposcopie. Et le principe de la colposcopie, c'est le gynécologue qui fait ça, donc, en consultation, il met un spéculum, il va regarder le col de l'utérus avec une espèce de grosse loupe, vous voyez l'image sur la gauche, et il va appliquer des colorants, donc un premier qui s'appelle de l'acide acétique qui va rendre visible en blanc en fait l'endroit où il peut y avoir des anomalies, et un deuxième qui s'appelle le Lugol que vous voyez sur le plus à droite qui va aussi colorier finalement les zones anormales, et ce qui va permettre de déterminer exactement où sur le col il y a une anomalie qui a été vue par le frottis, et d'aller faire un prélèvement à ce niveau-là pour faire la preuve de la lésion qu'éventuellement on traitera. Donc ça, c'est la colposcopie. Donc, je vais vous présenter ici les recommandations de la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, qui ont été publiées en juillet 2019, donc il y a bientôt un an, sur le dépistage. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que ce qui n'avait pas bougé, c'était que l'on faisait toujours, à partir de 25 ans, un frottis cervico-utérin. Ça veut dire que, quand on frotte le col de l'utérus avec la petite brosse, on va aller regarder si jamais on voit des cellules anormales à ce niveau-là, qui aurait été induite par la présence d'un HPV. On fait ce premier frottis à 25 ans, on en fait un deuxième à 26 ans, puis un autre tous les 3 ans. En fait, jusqu'à 30 ans, on va très rapidement arriver à 30 ans. On ne fait pas le test HPV à partir de 25 ans, trop tôt, parce que comme vous a montré M. Mergui, il y a tellement de chances ou de risques plutôt qu'on ait été en contact avec l'HPV et qu'on n'ait pas eu le temps de l'éliminer, que rechercher l'HPV à toutes les femmes entre 25 et 30 ans, on en trouverait beaucoup, alors que les femmes, finalement, auraient tout le temps de les éliminer naturellement sans avoir aucune inquiétude à se faire si jamais on l'avait fait quelques années plus tard. Donc c'est pour ça qu'à 25 ans, ce qu'on regarde, c'est si jamais il y a d'anomalies au niveau des cellules. Et puis à partir de 30 ans, on va rechercher l'HPV. Donc la première chose à faire, c'est donc faire le même prélèvement cervical dont je vous ai parlé, et on le trempe dans le liquide, on l'envoie au laboratoire. Et au lieu de regarder si jamais il y a des cellules anormales, on va regarder s'il y a la présence de ce HPV à haut risque, ça veut dire qu'il y a haut risque de faire des lésions dysplasiques un jour. Si jamais le test HPV est négatif, eh bien, les études montrent que le risque que l'on ait, dans les 5 ans qui viennent, une lésion précancéreuse ou dysplasie qui soit de haut grade, donc vraiment inquiétante, est inférieur à 5% et bien moindre. Donc ça veut dire que si jamais vous avez un prélèvement cervical qui ne retrouve pas l'HPV,
Ça veut dire que soit vous ne l'avez jamais eu, soit vous l'avez eu un jour, mais que vous en avez guéri. Donc ce résultat est négatif, vous êtes tranquille pendant au moins 5 ans minimum. Et donc c'est pour ça qu'on propose de faire un nouveau contrôle 5 ans plus tard, puis 5 ans plus tard, puis 5 ans plus tard. Si jamais le test HPV est positif, ça ne veut pas dire du tout qu'on a une anomalie. Comme vous a dit M. Mergui tout à l'heure, on peut tout à fait, parce qu'on a des rapports sexuels, avoir été en contact avec l'HPV, sans forcément que celui-ci soit responsable de lésions inquiétantes au niveau du col de l'utérus. Donc si jamais vous avez un test HPV positif, ce qu'on va faire, c'est que sur le même prélèvement qui a été fait, on va demander au laboratoire, maintenant qu'il a regardé si jamais il y avait de l'HPV, il va aussi regarder si jamais il y a des cellules anormales qui auraient été induites par la présence de cet HPV. Et si jamais le frottis, ça veut dire que l'analyse des cellules est normale, eh bien ça veut dire que la patiente a été en contact avec l'HPV, voilà, mais que celui-ci n'a pas eu le temps de faire quelque chose d'anormal au niveau du col. Et donc on va contrôler un an plus tard. Car comme vous l'avez dit, M. Mergui, la plupart du temps, quand on a un HPV, eh bien en fait, on va s'en débarrasser naturellement en 1 à 2 ans. Donc on va contrôler un an plus tard si jamais l'HPV est toujours là. Et si jamais un an plus tard l'HPV n'est plus là, eh bien c'est ce qui se trouve dans la majorité des cas, le corps a éliminé l'HPV. Et dans ce cas-là, on va dire à la patiente que le risque donc quelque chose, enfin, qu'elle développe une lésion inquiétante dans les 5 ans est proche, enfin, moins de 5%, proche de 3%. Dans ce cas-là, on contrôlera 5 ans plus tard, puis 5 ans plus tard, puis 5 ans plus tard. En revanche, si jamais, lors du premier prélèvement, on a vu qu'il y avait un HPV positif, et quand on a regardé les cellules sur le même prélèvement, on s'est rendu compte qu'il y avait une anomalie des cellules, et bien dans ce cas-là, on se dit, bah oui, il y avait un HPV au risque, oui, il y a des cellules anormales sur le frottis, donc dans ce cas-là, on va faire la colposcopie que je vous ai montrée. Et là, on va biopsier si jamais on voit quelque chose, et puis on traitera, et on suivra en fonction. Diapo suivante. Et enfin, si jamais vous avez aussi un test HPV positif à 1 an, et bien dans ce cas-là, on fera d'emblée une colposcopie sans analyser les cellules, puisqu'on se dit que si jamais on a eu un test HPV à 30 ans positif plus tard, et qu'un an plus tard, il est toujours positif, et bien dans ce cas-là, là on est dans le groupe de patientes qui n'ont malheureusement pas réussi à l'éliminer tout de suite, et donc on va aller s'assurer qu'il n'y a pas eu des lésions qui sont induites au niveau du col directement par sa visualisation, comme je vous ai expliqué. Voilà. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que à partir de 25 à 30 ans, on reste sur le prélèvement cervical, on va regarder s'il y a des cellules anormales. Et à partir de 30 ans, comme on sait que dans la plupart des cas, on a réussi à éliminer les HPV auxquels on était en contact, et bien à partir de 30 ans, on recherche l'HPV, et si jamais celui-là est négatif, qu'il n'est pas présent, soit c'est qu'on ne l'a pas eu, soit qu'on l'a eu mais qu'on s'en est débarrassé, et dans ce cas-là, on peut être tranquille pendant au moins 5 ans, et dans ce cas-là, on fait la surveillance tous les 5 ans. Et en cas de positivité, bah vous avez vu l'arbre décisionnel pour s'adapter. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, je propose qu'on démarre en fait une série de questions. On a en fait beaucoup de questions qui arrivent sur le fil. Mais tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous redire, là on parle du test HPV, de l'HPV, il y a plusieurs, c'est une famille de virus. Est-ce que vous pouvez nous dire s'ils sont tous dangereux, si il y a des différences? Et puis aussi, globalement, est-ce qu'on peut s'en protéger, par exemple, avec le préservatif ou pas? Parce qu'on voit bien que la vie sexuelle est quelque chose qui va favoriser les échanges de virus. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner déjà ce premier appel? Alors, déjà, pour le papillomavirus, effectivement, comme je vous l'ai montré, les papillomavirus, c'est toute une famille de virus qui sont de nature, c'est tous des cousins germains d'une même famille. Et dans les cousins germains, ben, y a des cousins qui sont gentils, ces HPV que l'on dit 6 et 11, qui sont à bas risque, qui donnent les condylomes. Il y a, dans les méchants, il y a aussi des très méchants, des moyennement méchants, c'est comme les Dalton. Il y a des Dalton très méchants et des Dalton un peu moins méchants. Et effectivement, on sait que quand on fait ce qu'on appelle le génotypage, c'est-à-dire qu'on sépare les différents types de virus, les virus sont plus méchants que d'autres. La seule chose, c'est que pour l'instant, l'HAS, c'est-à-dire la Haute Autorité de Santé, s'est réunie. On a fait un groupe de travail où on a réfléchi à savoir si on doit tenir compte de la nature du virus pour changer son dépistage et ses examens de diagnostic. Et on a décidé de considérer qu'il n'est pas nécessaire de connaître le type du papillomavirus pour changer la façon de le prendre en charge, parce qu'entre moyennement méchant, très méchant ou un peu méchant, et il y a une variabilité du diagnostic, le génotypage n'est pas toujours aussi précis qu'on le souhaiterait. Et donc, on a décidé collectivement en France de ne pas tenir compte de la méchanceté, si j'ose dire, des différents types de papillomavirus. Deuxième chose très importante, est-ce que le préservatif protège du papillomavirus? La réponse est non. Le préservatif protège bien des MST qui sont véhiculés, par exemple,
par le sperme ou par le liquide vaginal, mais le papillomavirus est présent à la fois à l'intérieur de la muqueuse vaginale, mais également sur la peau, sur la vulve. Et donc, tout attouchement sexuel, toute relation intime, même sans pénétration, même sans rapport, si j'ose dire, peut entraîner une transmission du papillomavirus, par exemple, digitalement, par la main. Donc, comme on ne peut pas... Le préservatif protège un peu, mais pas suffisamment pour dire qu'il est une mode de prévention du papillomavirus. Le professeur Isan, je pense, sur les vaccins. Qui doit être vacciné, s'il vous plaît? Et je voyais sur le fil, lorsque l'on a été vacciné, est-ce que la surveillance doit être de mise quand même? Alors, donc pour la vaccination, il y a eu beaucoup de... J'ai vu aussi dans le fil des questions des gens qui demandaient, mais selon les pays, c'est pas exactement pareil. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions pour arriver au bout du compte à un consensus. Et ce consensus, on va le voir, il peut avoir évolué pendant le temps parce que vous allez voir qu'au départ, la vaccination n'était proposée que pour les petites filles. Et depuis la fin de l'année 2019, il a été recommandé de le proposer aussi aux petits garçons, même si ce ne sera remboursé qu'à la fin de l'année 2020. Donc, les recommandations actuelles, c'est une vaccination qui va se faire entre 12 et 14 ans avec une vaccination. Donc, c'est l'idéal parce que c'est une vaccination à ce moment-là qu'on va pouvoir faire avec deux doses. Et puis, il y a ce qu'on appelle une vaccination de rattrapage. C'est-à-dire que si on ne l'a pas fait à cette période-là, on peut encore le faire entre 15 et 19 ans. C'est un peu moins idéal parce qu'on vous a dit l'âge des premiers rapports, c'est 17 ans, mais on sait que ça va varier selon les sujets. Donc, c'est une vaccination qui va encore avoir une bonne couverture entre 15 et 19 ans. Et cette fois-ci, attention, c'est trois doses. Et on sait que plus il y a de doses, plus il y a de risques que les vaccinations soient incomplètes. Donc, c'est un élément qui n'est pas anodin. Passé 19 ans, j'ai vu qu'il y avait une question d'une des participantes qui était en Allemagne, ils le font à 26 ans. Et ben, on s'est rendu compte que passé 19 ans, on diminuait en efficacité. Et c'est vrai que sur un point de vue de santé publique, quand on propose quelque chose, les vaccinations, il faut convaincre les gens, il faut leur expliquer l'efficacité, ça a un coût. Donc on veut vraiment une excellente efficacité. Et à 26 ans, l'efficacité est moindre, c'est ce qu'a montré les études. Donc, on a vraiment un âge idéal pour le faire. Catherine Luzon, sur toujours cette question de vaccination dans notre communauté de mon réseau cancer gynéco, donc avec des patientes qui ont été touchées par un cancer du col de l'utérus. Et pour certaines, elles se posent la question une fois qu'elles sont traitées et qu'elles, par exemple, elles veulent avoir une nouvelle relation avec un nouveau partenaire. Est-ce qu'il y aurait un sens à se vacciner à ce moment-là, ou comment se protéger dans cette situation? Je pense que Monsieur Mervier a essayé de bien vous montrer qu'il faut arriver à dissocier le côté un partenaire, une infection. D'accord? Il y a un délai, on a vu entre un contact et une lésion, il va se passer 10 à 20 ans. Donc, il n'y a pas de vraie logique dans ce domaine-là. La vaccination, elle n'a actuellement, je parle de la vaccination protectrice, il y a des vaccinations à l'étude, des vaccinations peut-être curatives, il y a des vaccinations en réflexion, notamment pour des lésions de dysplasie. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui est arrivée à un seuil de démonstration suffisant pour qu'on puisse le recommander. Donc, ce qu'on dit là, et c'est ça qui est intéressant, changera peut-être dans quelques années. Mais actuellement, la logique de la vaccination n'est que avant qu'on ait rencontré les virus, avant qu'on ait pu le faire, donc à un jeune âge. Et donc, il n'y a pas de logique à l'envisager par la suite. La solution ne passe pas par la vaccination. Par contre, dans le témoignage de Lorraine tout à l'heure, il y avait la question de finalement, est-ce qu'il y a des personnes qui sont à risque pour telle ou telle raison et ne peuvent pas recevoir ce vaccin? Comme il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce vaccin, est-ce que vous pouvez nous rappeler les recommandations et les éventuelles personnes qui ne devraient pas y accéder pour ces raisons? Alors, on va toujours être vigilant. Il faut bien savoir que comme pour tout traitement, la vaccination, c'est comme un traitement, on va toujours peser les avantages et les inconvénients. Et donc, l'une des questionnements qui s'est posée autour de la vaccination, c'était les risques de maladies auto-immunes. Alors, pour dire les choses très clairement, notamment grâce aux études qui ont été faites dans les pays nordiques, on a étudié tous les gens qui avaient une maladie auto-immune. Ils ont la possibilité, ils ont des grands registres, et ils ont regardé ceux qui avaient une maladie auto-immune, ceux qui n'en avaient pas, et essayé de voir s'il y avait un lien avec la vaccination. Et on avait autant de maladies auto-immunes qu'il y ait eu ou pas de vaccination, que ce soit pour la sclérose en plaques, que ce soit pour d'autres maladies auto-immunes. Donc, on n'a pas démontré de lien entre les deux. Maintenant, il faut savoir que l'âge
où va apparaître une maladie auto-immune est à peu près l'âge, vers 15-16 ans, où va se faire la vaccination. Donc, comme ce sont quand même des maladies assez fréquentes, on peut avoir un cas où il va y avoir la maladie auto-immune, mais on n'a jamais démontré le lien entre les deux. Et ça, c'est un élément important, parce que c'est souvent des choses qui sont très douloureuses, des choses qui sont très difficiles, et forcément, on va se poser la question du lien, d'accord ? Qui, lui, n'a pas été démontré. Alors, quand dans la famille, il y a beaucoup de maladies auto-immunes, c'est vrai qu'on va peser le pour et le contre et se poser des questions. Voilà. Et ça, je pense que c'est important d'en parler avec votre gynécologue, s'interroger dessus. Et le but, c'est qu'il y a un contrat de confiance qui se soit posé. Et le but n'est pas de dire vaccination à tout prix. Il faut bien expliquer aux gens quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Parfait. Merci beaucoup. Je pense que Jean-Luc voulait intervenir. Pour rappeler qu'il n'y a pas que dans les pays nordiques que cette étude a été faite, elle a été faite aussi en France avec des patientes françaises et que sur les patientes françaises qui ont été étudiées, près de 2 millions de jeunes femmes, il n'y a pas été démontré d'augmentation des maladies auto-immunes non plus, même en France. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Docteur Canlorbe, pas mal de questions sur la colonisation. Y a-t-il différents types de colonisation? Quand doit-on les réaliser? Et voilà. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point? Bien sûr. Alors, la colonisation, c'est ce qu'on entend par le traitement de la lésion de haut grade. Donc, c'est la lésion pour laquelle on sait ce qu'on appelle le CIN2 ou CIN3. Hein. C'est la lésion qu'on sait que si jamais on la laisse évoluer, elle risque d'évoluer dans 15-20% des cas pour les plus graves vers un cancer. Donc, le traitement en général, après, il y a des cas particuliers hein, tout le temps, mais c'est d'aller en la retirer, donc de façon très superficielle. Alors on appelle ça une conisation, puisqu'en fait le petit morceau qu'on retire a une forme de cône. Alors il y a plusieurs types effectivement de conisation, du point de vue dans la nomenclature, mais celle qu'on réalise le plus fréquemment et celle qui est maintenant recommandée, c'est celle qu'on appelle l'électroconisation à l'angle thermique, ça veut dire ECAD. Donc le principe, c'est d'avoir une petite anse avec un petit fil électrique, que l'on va utiliser pour retirer le plus petit morceau possible de colle contenant la lésion. Alors, cette intervention, elle peut se réaliser soit en consultation avec une anesthésie locale, soit au bloc opératoire avec une anesthésie un petit peu plus importante. Et ça, ça va dépendre de la taille de la lésion, du stress de la patiente, etc. Et donc, le principe, c'est de refaire une colposcopie. Ça veut dire qu'on remet le spéculum, on remet une loupe, donc une espèce de grosse loupe que je vous avais montré tout à l'heure pour bien voir le col en gros, réappliquer les deux produits dont je vous ai parlé tout à l'heure pour bien repérer exactement où sont les lésions ou la lésion. Puisque les lésions, il est rare qu'elles passent tout le col. Généralement, elle est à un ou deux ou trois endroits maximum au niveau du col. Et sous contrôle de ce microscope, on va utiliser la petite anse pour retirer, donc ça prend à peu près 20 secondes à faire, hein. Le plus long finalement, c'est de faire la colposcopie. Une fois qu'on l'a vu, eh bien en fait, on applique l'anse diathermique, on passe le courant, et en fait, ça coupe le plus petit possible la lésion en fait, qui est malade. Et ça, on l'envoie au laboratoire, et le laboratoire nous confirme qu'il y avait bien la lésion, qu'elle était enlevée dans sa globalité, et après on propose un suivi régulier aux patients. C'est une intervention qui ne dure pas longtemps, qui fait pas mal en soi, qui n'est pas douloureuse la plupart du temps dans les suites, qui parfois peut faire un tout petit peu saigner dans les quelques jours qui suivent l'intervention, donc il faut prévenir les patients qu'il peut y avoir des saignements. Dans de très rares cas, ça peut justifier de revenir consulter, mais c'est généralement les seules complications qu'on puisse avoir, qui sont décrites, et c'est ce qui permet finalement de retirer la lésion dans sa globalité. C'est ça qu'on appelle une conisation, et en fait le terme c'est électroconisation à l'anse diathermique. Très bien, merci beaucoup. Alors si je peux me permettre juste une question, Laure, en rapport avec la conisation, c'était la grossesse. Avoir une grossesse après une conisation, alors je ne sais pas laquelle. Moi je peux continuer sur la conisation, puis M. Merguier pour intervenir aussi. Comme je vous ai dit, donc, on peut tomber enceinte, bien sûr, après une colonisation, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Alors, il peut y avoir des inquiétudes vis-à-vis de, mais est-ce que, quand on va faire la colonisation, est-ce que le col risque en cicatrisant, de se sténoser? Donc, on appelle ça des sténoses post-colonisation, et qui peuvent justement empêcher les spermatozoïdes de rentrer dans le col de l'utérus et d'aller faire la fécondation. Ce risque, il est à moins de 1% avec les outils qu'on a maintenant, donc finalement, ce risque est très très faible, il faut ça. Après, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est sur les complications obstétricales qu'on pourrait avoir après une colonisation. Et donc, le fait de retirer un petit morceau du col de l'utérus peut effectivement donc, le raccourcir. Et dans les séries d'études qu'on avait eues il y a quelques années, on s'était rendu compte qu'effectivement,
quand on enlevait un morceau du col de l'utérus, eh bien, ça augmentait le risque de fragilité du col pour les grossesses ultérieures et que celui s'ouvre trop tôt dans la grossesse et entraîne ce qu'on appelle des fausses couches tardives ou des accouchements prématurés. Et en fait, on s'est rendu compte que ces complications, elles intervenaient essentiellement quand on faisait des colonisations qui faisaient plus de 1 cm de profondeur, c'est-à-dire quand on remontait de façon assez profonde dans le col, finalement un petit peu de façon excessive par rapport à ce qu'il y avait besoin, par rapport à la superficie de la lésion. Et donc, on s'est rendu compte que quand l'exérèse de la lésion faisait moins de 1 cm, finalement, on ne retrouvait pas ces complications-là. Et c'est pour ça que les outils que l'on utilise maintenant sont des anses qui font moins de 1 cm. Donc, en fait, elles nous empêchent de faire plus de 1 cm pour éviter ces complications. Et surtout, on les fait sous contrôle colposcopique en direct, donc sous contrôle du microscope pour enlever le plus petit morceau possible. Et donc, en faisant une colonisation, en respectant donc les guides de bonne pratique qui sont validés par la suite colposcopie, où on a établi en fait des chartes à la fois de colposcopie et de colonisation, et bien quand on applique bien les choses, et bien logiquement il ne peut pas y avoir ces complications au cervical. Merci beaucoup pour ces réponses, mais moi je voulais revenir un tout petit peu en arrière et en m'appuyant là aussi sur le témoignage de Lorraine. Finalement, la colposcopie, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce que c'est. On entend parler du frottis, on sait ce que c'est qu'un frottis, on connaît le gynécologue, on entend parler du test HPG, mais finalement, qui fait la colposcopie qui nous adresse pour cet examen et où est-ce qu'il faut aller pour cette colposcopie qui, on voit bien, a une place très importante maintenant dans la nouvelle, organisation de la surveillance. Alors, je peux me permettre de répondre peut-être à cette question. Qui doit faire une colposcopie alors? En général, c'est un gynécologue qui fait la colposcopie, mais tous les gynécologues ne font pas de la colposcopie et nous avons mis en place avec la Société française de colposcopie, le Collège national des gynécologues obstétriciens, la Fédération des collèges de gynéco-médical et la Société française de gynéco, un groupe qui s'appelle la Commission de la charte de qualité. Et ce groupe a mis en place des critères de qualité pour que les praticiens qui vont faire une colposcopie puissent montrer qu'ils ont suivi une formation initiale, qu'ils ont une activité suffisante, un nombre de cas suffisant tous les ans, et qu'ils suivent une formation régulière tous les ans. Tous ces critères-là sont les critères de la charte de qualité en colposcopie, et ces colposcopistes qui adhèrent à cette charte, on peut en trouver la liste en cliquant sur les sites internet des sociétés qui sont membres de cette commission de la charte, par exemple la Société française de colposcopie, bien entendu. On retrouve des gens qui sont, si j'ose dire, qui ont suivi tout le cursus et qui continuent à le suivre tous les ans avec une formation continue régulière. Très bien. Merci beaucoup. J'ai une question pour le professeur Usan sur le rapport entre papillomavirus au niveau vulvaire et d'autres transmissions et d'autres pathologies qui interviendraient au niveau ORL, puisque le docteur Marguy l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une surveillance particulière à réaliser au niveau ORL quand on a eu des lésions au niveau vulvaire? Alors, les cancers de la... Alors, il y a différentes choses. Au niveau de la vulve, on peut avoir des condylomes, donc ce qu'on vous a décrit comme des verrues, et ils sont plus liés aux HPV 6 et 11. J'ai vu passer une question où on nous disait est-ce que d'avoir l'HPV 6 fait que je vais forcément avoir un cancer? Pas du tout. Et l'HPV 6 donne plus de risques en général de condylome, à savoir que l'HPV 6 est aussi, dans le vaccin, il y a la protection pour cet HPV-là. Donc, au niveau de la vulve, on peut avoir des lésions tout à fait bénignes et qui peuvent être traitées lorsqu'elles sont gênantes. Le traitement des condylomes, ça peut être un traitement local, quand ils sont plus importants, un traitement par laser, donc soit local par une application d'une crème qui s'appelle Aldara, soit par du laser. Et puis, on peut aussi avoir des cancers de la vulve, c'est beaucoup plus rare, et en général, ça survient beaucoup plus âgé. Donc, il faut surtout, voilà, donc, mais ça veut dire qu'il est important de continuer son suivi gynécologique. Je voulais bien insister tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'on dit test HPV tous les 5 ans que notre message doit être aller voir son gynéco tous les 5 ans. Donc, c'est vraiment différent. Et le gynéco, quand on va voir son gynéco, ce n'est pas juste « c'est bon, j'ai vu mon gynéco, elle a fait un frottis ». Parce que justement, c'est l'examen clinique, l'examen mammaire, on va pouvoir trouver d'autres choses à l'examen et ce n'est pas parce qu'on vous dit le test HPV négatif que vous ne voyez plus votre gynéco pendant 5 ans. Et inversement, si votre gynéco faisait juste un frottis sans rien regarder, sans vous examiner,
eh ben, on va pouvoir passer à côté de choses. Donc, les deux choses sont différentes. Donc, au niveau de la vulve, ce qu'on peut avoir, c'est donc soit des condylomes, soit dans certaines conditions, et c'est pour ça qu'on n'est pas tous égaux devant le virus, chez des gens qui ont une immunodépression, par exemple, que ce soit lié à des médicaments ou que ce soit quand on a une infection au VIH, on peut être immunodéprimé, du coup moins bien se défendre et faire plus facilement des lésions. Et c'est dans ces cas-là, par exemple, qu'on peut voir plus jeune des lésions liées à l'HPV au niveau de la vulve. La question qui est pour les lésions ORL, alors on n'a pas du tout de suivi systématique pour les dames qui ont une lésion du col ou de la vulve à l'HPV, de suivi ORL, parce que finalement on en trouve très peu. Par contre, on sait que de plus en plus, la part des cancers ORL liés à l'HPV augmente. En diminution, vous savez, l'autre grand facteur de risque de cancer ORL, c'est l'intoxication alcoolo-tabagique. Ben, avec le temps, ça a plutôt tendance à diminuer, c'est une bonne nouvelle, mais en part, on trouve de plus en plus de cancers ORL liés à l'HPV. Donc, il faut s'en préoccuper. Souvent, ce qu'on va surveiller, c'est notamment chez les sujets immunodéprimés, éventuellement. Et puis, quand on a des lésions importantes, profuses, on dit, quand elles sont nombreuses, au niveau de la vulve et du vagin, il faut bien regarder l'anus aussi, puisque c'est des lésions qui peuvent s'étendre à ce niveau-là. Et au niveau ORL, ça va vraiment être beaucoup plus sur point d'appel. Et justement, pour tout ce qui est symptômes, finalement, parce que, par exemple, on dit qu'aujourd'hui, les garçons vont être vaccinés. Donc, on pourrait imaginer que le jeune garçon est vacciné pendant son adolescence. Mais après, qu'est-ce qui doit l'alerter? Quels sont les symptômes donc, pour les garçons? Et puis, bon, pour les filles, en dehors du suivi gynéco, si on n'est pas allé très souvent chez le gynéco, est-ce qu'il y a des signes qui doivent, je dirais, vraiment inciter à revenir consulter? Alors pour les garçons, donc, précisons que donc, jusqu'à maintenant, la vaccination en France, jusqu'à la fin 2019, n'était recommandée que pour les petites filles, alors que dans d'autres pays, ils avaient depuis longtemps fait le choix de le proposer aux filles et aux garçons. Les recommandations de fin 2019, c'est de l'élargir aussi aux garçons. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, plus on va couvrir une large population, plus on va protéger largement. Donc en diminuant la charge du virus dans la population, ça on en entend beaucoup parler actuellement pour d'autres raisons. Donc finalement en se protégeant, en vaccinant, c'est pratiquement un acte citoyen, hein, ça va protéger les autres. Donc ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est aussi à cause de ces cancers ORL dont on a parlé. Et donc ça permet de diminuer la charge virale globale dans une population et de diminuer les risques de cancer ORL. Vous me demandiez les symptômes, les symptômes de cancer ORL, ils sont quand même assez rare, et c'est des symptômes assez parlants, que ce soit des douleurs ou des saignements, donc il n'y a pas de suivi du tout systématique de ce côté-là. Voilà, au quotidien, c'est beaucoup plus les femmes qui vont être suivies pour le papillomavirus. Alors justement, on avait une question sur la parité homme-femme. Vous parlez de dépistage chez la femme, c'est le profil. Qu'en est-il chez l'homme? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à mettre en place? Question paritaire. Alors, pour être franc, la charge des cancers chez l'homme qui sont liés au papillomavirus par rapport aux femmes est beaucoup, beaucoup plus faible. Les femmes sont beaucoup plus à risque d'avoir un cancer du col que les hommes ne sont à risque d'avoir un cancer du pénis, qui est très exceptionnel, très rare. Donc, l'idée de vacciner les garçons et les filles, c'est bien sûr pour protéger les hommes des condylomes exophytiques, parce que les petites verrues qu'on a au niveau du pénis ou de la vulve ou de l'anus, c'est désagréable, c'est pas dangereux, mais c'est désagréable, c'est un peu humiliant parfois, on a l'impression d'être un peu souillé par des petites lésions qui sont contagieuses. Mais le vrai intérêt de vacciner les hommes, c'est pas seulement de prévenir les cancers ORL, pas seulement de prévenir les cancers de l'anus, qui sont beaucoup plus fréquents chez la femme que chez l'homme, c'est d'éviter la transmission dans la population. Comme l'a dit Catherine Usan, le fait de vacciner une partie de la population, on s'est rendu compte, et c'est parce qu'en Australie, qui sont les pionniers à la fois dans le dépistage et la vaccination, on s'est aperçu que même les femmes qui ne sont pas vaccinées, et même les garçons qui ne sont pas vaccinés, sont protégés du papillomavirus quand une majeure partie de la population est vaccinée. C'est-à-dire qu'à tranche d'âge égale, on s'aperçoit que quand on vaccine une large partie de la population, même les non-vaccinés sont protégés. Pourquoi ?
même alors qu'ils ne sont pas vaccinés, parce qu'ils n'ont plus de contact, le virus ne circule plus. Et donc l'avantage de se vacciner et les garçons et les filles, c'est diminuer justement cette large contamination dans une tranche d'âge d'une même âge de la population. Merci beaucoup. Il y avait tout à l'heure sur le film une question qui disait, mais finalement, on a vu que normalement, il y a à peu près 20 ans qui se passent entre l'exposition au virus et une éventuelle évolution vers une maladie cancer. Pour autant, il y a parfois des jeunes femmes qui ont des cancers assez agressifs, très jeunes. Comment on explique cela, en fait? Je laisse Catherine peut-être répondre. Je donnerai mon avis si besoin. Excusez-moi parce que j'étais en train de répondre aussi aux questions parce qu'il m'a dit qu'il fallait répondre en plus aux questions en écrit, donc là j'avais du mal. Donc des femmes jeunes qui ont un cancer agressif, c'est ça votre question? C'est ça, voilà. Voilà, alors il faut savoir qu'on a un petit pourcentage de cancers, des formes rares qui sont notamment les tumeurs neuroendocrines ou des sarcomes ou des lésions qui sont assez rares, qui peuvent survenir très jeunes et qui, elles, ne sont pas liées au papillomavirus. C'est des choses très rares et qui vont donner des symptômes et qui vont faire saigner. Donc, c'est pour ça que je précise bien qu'on ne peut pas résumer toute la prise en charge ou la surveillance d'une femme dans sa vie à un test HPV. Quand vous allez voir le gynécologue, il va vous examiner, il va faire un certain nombre de choses. Et donc, ce n'est pas parce qu'on ne vous fait pas le test HPV pendant 5 ans qu'on ne va pas vous poser un spéculum, qu'on ne va pas regarder le col. Et donc, ça, c'est un message important. De dire que quand on a une vaccination et quand on a un test HPV négatif, le risque de cancer du col il devient extrêmement faible, mais il n'est pas nul, mais on peut avoir des symptômes. Et ces symptômes, eh bien, quand une femme... Alors, quels sont ces symptômes? Eh bien, c'est notamment les saignements. Et notamment, au départ, les saignements, ça peut être notamment lorsque on touche le col, donc que ce soit lors d'un examen gynécologique ou lors d'un rapport sexuel. Donc, typiquement, ce qu'on appelle... dans ce terme pas très joli, qui est le saignement post-coïtal, donc c'est-à-dire saignement juste après avoir un rapport sexuel, eh bien ça doit vous alerter. Et ce n'est pas parce que vous avez eu un test HPV 2 ans plus tôt qui était négatif que si j'ai un symptôme, un saignement anormal en dehors des règles, eh bien je dois consulter. Très bien. On a une question, je crois, pour le professeur Mergui sur la péniscopie. C'est-à-dire, est-ce que dans certaines situations, il est utile de savoir si le partenaire, par exemple, d'une femme qui a été soignée pour un cancer et qui ne veut pas être réinfectée, est-ce que c'est utile de faire cet examen? Enfin, à quoi sert-il? Alors, il y a deux situations complètement différentes. Quand une patiente, la façon la plus traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle a été infectée par un papillomavirus à haut risque, elle a par exemple une lésion sur le col, qu'on dit une lésion de bas grade. Une lésion de bas grade, c'est une lésion qui en général n'évolue jamais et qui va régresser dans les 2 ans qui suivent le diagnostic. Ces patientes-là, on ne leur dit pas de protéger leur rapport, on ne dit pas d'arrêter leur vie sexuelle, elles ont une vie sexuelle tout à fait normale et il ne faut pas du tout s'inquiéter du risque de transmission partenaire masculin. Pourquoi ? Parce que le partenaire masculin de cette jeune femme ou femme a déjà été en contact, comme je vous l'ai montré, avec le papillomavirus lors lui-même de ses premiers rapports sexuels quand il avait 18 ans ou 20 ans et il s'est déjà immunisé. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur le risque de transmission au partenaire ni le risque de retransmission à la patiente. Les patientes, elles me disent souvent, est-ce qu'on ne risque pas le ping-pong? C'est-à-dire que moi, je me l'ai donné, je l'attrape, vous le traitez et ensuite, lui va me le redonner ou je vais lui repasser et on va se le retransmettre comme ça pendant 40 ans. Eh bien, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On l'attrape une fois, le papillomavirus, on s'immunise ou on ne s'immunise pas. Si on ne s'immunise pas, le virus va entraîner des petites lésions. Au bout de 2 ans, si elles persistent, on va les traiter, nous, soit par une vaporisation laser, soit par la petite conisation qui est faite sous un contrôle colposcopique. C'est important parce que ça va retirer très peu de col pour ne pas abîmer le col. Ça ne change rien à l'avenir obstétrical, ça ne change rien à la fertilité et ça ne change rien à la vie sexuelle. Donc, il faut désamorcer cette situation. Notre problème différent, c'est les condylomes exophytiques, ceux dont on a parlé, l'HPV 6 et 11, qui donnent ces petites verrues génitales. Là, la latence, c'est-à-dire le moment où on est infecté et le moment où les verrues apparaissent, c'est 6 mois. Ça veut dire qu'en fait, c'est récent. Donc, dans les lésions les plus gentilles, il faut examiner le partenaire masculin parce que souvent, il a des lésions qui peuvent se retransmettre parce que ça, c'est de la MST traditionnelle, si j'ose dire. C'est-à-dire, la période d'incubation est courte, la transmission est importante, donc il faut examiner le partenaire masculin. Mais pour les lésions qui sont liées à l'HPV
potentiellement à haut risque, comme on dit HPV dit, papillomavirus dit oncogène. Il n'est pas utile, ça a été étudié. On a fait l'étude des partenaires masculins, ça ne change rien à l'histoire naturelle chez la femme. Merci. J'ai une question pour le docteur Canlorbe. Exister des autotests, est-ce qu'il y a des recherches de direction? Voilà. Alors, il y a effectivement des recherches sur le sujet. Le principe d'un autotest, c'est de prendre un écouvillon et de, que la patiente se fasse elle-même un auto-prélèvement vaginal, donc un petit peu au hasard dans le vagin, le mettre dans un milieu liquide et l'envoie au laboratoire. Et là, le laboratoire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir regarder si jamais il y a de l'HPV au niveau de la sphère génitale de la patiente. Il y a des études qui montrent qu'on a quasiment d'aussi bons résultats pour rechercher l'HPV à haut risque quand on compare l'hétéroprélèvement donc fait par un gynécologue par rapport à l'autoprélèvement fait par la patiente. Donc ça peut être une alternative si jamais la patiente ne veut pas, ne souhaite pas faire un prélèvement par son gynécologue, qu'elle se fasse un autoprélèvement effectivement. Mais le problème de l'autoprélèvement, c'est comme je l'avais montré sur les petits schémas tout à l'heure, c'est que quand on fait un autoprélèvement, on ne fait que mettre les couvillons dans le vagin. On ne va pas les racler, les cellules au niveau du col de l'utérus, comme le fait le gynécologue quand lui il fait son prélèvement cervical. Donc ça veut dire que si jamais une patiente a fait un prélèvement et que le résultat est négatif, effectivement, elle est plutôt rassurée. Mais ce qui ne l'empêche pas de devoir quand même aller voir son gynécologue pour autre chose, pour le suivi des autres pathologies. En revanche, si jamais le test HPV de l'autoprélèvement est positif, eh bien là, elle va de toute façon devoir aller voir son gynécologue pour qu'il fasse lui un prélèvement cervical pour aller voir s'il y a des cellules anormales au niveau du col. Donc finalement, faire un autoprélèvement, c'est bien, mais ça n'empêche pas de faire un autre prélèvement par le gynécologue si jamais celui-ci est anormal. Donc, aller consulter de façon régulière, ce qui est quand même le plus important, on ne rappellera jamais assez. Madame le professeur Usan, une question par rapport à la proportion de lésions qui deviennent des cancers du col. Bah, c'est vraiment, vraiment une minorité. Et la question serait de dire, c'est surtout si on ne les traite pas. Je me rappelle du cas d'une patiente rarissime qui à chaque fois avait refusé d'être traitée et tous les deux ans voyait les choses évoluer et revenir régulièrement. Donc oui, heureusement, ça ne nous arrive pas souvent. Si on suit l'histoire naturelle, les lésions évolueront. Mais dans la majorité des cas, lorsque vous avez une lésion de haut grade, eh bien, si on fait la conisation et après on va vous surveiller, eh bien, on évitera le passage à un stade de cancer. Donc c'est vraiment une minorité des lésions qui évolueront. Après, souvent, le problème, et c'est ça qui est important, c'est de savoir que lorsqu'on regarde les femmes qui ont des cancers du col actuellement, dans un tiers des cas, les patientes n'avaient aucun suivi. Et dans un tiers des cas, leur dernier frottis datait d'il y a plus de 3 ans. Alors, ça veut quand même dire qu'il y a un tiers des patientes qui étaient bien suivies. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas tout éviter. Je parle dans les cas de situations de patientes de populations qui ne sont pas vaccinées. Donc, le combat aujourd'hui, c'est d'arriver à faire qu'une majorité de patientes soit suivie. C'est pour ça qu'il y a un dépistage systématique qui a été mis en place. Et l'objectif, ce n'est pas de faire plus souvent des examens tout le temps. Donc, c'est vraiment d'adapter la surveillance, mais surtout qu'une majorité de patientes puisse avoir une surveillance adaptée. J'ai une question en fait, qui vient du fil aussi. Pour des patientes plus âgées, par exemple, j'ai 65 ans, donc je sors du cadre du dépistage. Est-ce que je peux prétendre à un test HPV pour voir quelle est la situation? Ou, par exemple, comme on va vivre très longtemps aujourd'hui, et on l'espère toutes, quelle est la surveillance ou comment ça se passe en fait, pour une personne après 65 ans? Je te laisse répondre, tu veux, Jean-Luc? Oui. Donc, après 65 ans, la recommandation de l'INCa et de l'HAS est d'arrêter le dépistage. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on néglige les patientes qui ont plus de 65 ans et qu'on les laisse avoir une lésion se développer. C'est que quand, pendant toute sa vie, entre 30 et 65 ans, ou entre 25 et 65 ans pour toute la vie cytologique, eh bien, on n'a jamais eu d'anomalie du frottis. Jamais, jamais, jamais. Eh bien, la probabilité d'avoir une lésion du col est extrêmement basse. Donc, il n'est pas nécessaire de continuer à surveiller.
Et maintenant qu'on a changé le paradigme du dépistage, c'est-à-dire qu'on a changé le test, on ne fait plus du frottis, on fait le test HPV, on préconise de faire ce qu'on appelle un test de clôture, c'est-à-dire un HPV à 65 ans, quoi qu'a été l'histoire cytologique avant. Et ce test HPV, s'il est négatif à 65 ans, eh bien, il a une bonne valeur dans les 5 à 10 années qui suivent. Aucune lésion cancéreuse liée au papillomavirus ne peut apparaître. Alors, juste une chose, c'est que toutes ces recommandations ne sont valables que pour des patientes qui n'ont jamais eu de problème au niveau du col, du vagin, de la vulve, qui n'ont jamais été en contact de façon clinique avec le papillomavirus. Toutes les patientes qui ont eu une lésion du col ont continué à les surveiller toute leur vie durant. C'est donc uniquement pour celles qui ont eu des histoires de frottis normaux, de tests HPV négatifs à 65 ans. Quand tout a toujours été négatif, on arrête. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Lorraine évoquait justement les rapports sexuels avec son jeune compagnon et un peu cette peur du ping-pong. Donc, peut-être que Lorraine a quelque chose à ajouter à l'éclairage de toutes les explications qui ont été données ou une question à poser. Lorraine, allez-y. Alors oui, effectivement, docteur Mergui, quand vous avez parlé du ping-pong, ça m'a vraiment rappelé les propres peurs que je pouvais avoir de contamination, guérison, recontamination, etc. Donc je suis plutôt rassurée par ce que vous avez dit. Et en fait, tout ce que j'ai entendu, ça m'a rappelé aussi un souvenir de quand j'étais justement allée chez ma gynécologue en septembre 2017. Et je lui avais fait part de la couleur un peu rosée du sperme de mon compagnon après les rapports sexuels, donc avec, je pense, de la présence de sang. Et elle m'avait répondu que c'était sans doute les vaisseaux sanguins du pénis de mon partenaire qui étaient fragiles. Mais en fait, de ce que j'entends, je me dis que c'était déjà sans doute une explication de l'infection à papillomavirus que j'avais déjà. Les saignements au cours des rapports doivent inquiéter les femmes et faire consulter. En l'occurrence, c'est un signe de cancer invasif. Toutes les infections à papillomavirus, qu'elles soient bénignes ou qu'elles montrent des lésions de haut grade, ne donnent aucun symptôme, et ne donnent aucun saignement au cours des rapports. Donc, c'est grâce au dépistage et à la prévention que sont les deux bras pour éviter d'avoir un cancer génital, col, vagin, vulve, anus. Vaccination d'une part, dépistage de l'autre, d'autre part, parce que la plupart des lésions n'ont donnent aucune symptomatologie. Donc, les petits saignements après les rapports qu'a décrit Lorraine ne sont pas en rapport avec l'infection avec le papillomavirus. Dans son cas. Merci beaucoup vraiment pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés. Je trouve que ça serait intéressant peut-être de vraiment se redire finalement cette idée que les virus papillomavirus sont extrêmement fréquents, que les recommandations donc ont changé et que donc il faut qu'on en parle tous les uns et les autres pour que les jeunes filles, les jeunes garçons puissent accéder à la vaccination et que on s'habitue en fait à ce que quand on est une jeune femme, on va faire des frottis, quand on est un petit peu plus on va associer le test HPV et avec toute cette logique de ne pas forcément trop vite s'inquiéter, donc d'être dans cette notion de dialogue avec vous pour finalement adapter au mieux la surveillance. Mais dans le contexte, j'allais dire aussi, de l'après-confinement, de toute cette période très très particulière qu'on a tous traversée, qu'on soit citoyen ou malade, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de freins à ces consultations. Est-ce que vous pouvez nous redire en fait qui consulter pour un contrôle gynéco, pour ce type d'informations, vers qui on peut se tourner aujourd'hui, quels sont les différents professionnels qui participent à ce dépistage et à cette prise en charge? Alors d'abord, donc ce qui est important, c'est d'ailleurs que l'information circule, et comme l'a très bien décrit Lorraine, c'est vrai que ce temps où on attend un examen, on ne pourra jamais vous dire on va s'engager à ce que vous ayez toujours dans les deux jours l'examen. Donc c'est important que l'information circule, qu'on puisse trouver des informations de qualité et que dans le temps où on attend, mais même si l'objectif n'est de pas avoir des délais trop longs pour les colposcopies, qu'on puisse trouver l'information. Donc celui qui va vous suivre en ville, ça peut être votre gynécologue en ville, ça peut être aussi des sages-femmes qui peuvent vous suivre sur le plan gynécologique, ça peut être aussi des médecins généralistes qui sont formés à la gynécologie. Donc il y a un certain nombre. L'hôpital
on y vient quand il y a un problème. Donc, pour ce qui est de la colposcopie, vous allez pouvoir faire de la colposcopie aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Donc, l'idée, c'est d'avoir une offre la plus large possible, parce que c'est vrai que notamment avec la multiplication des tests, on a beaucoup de demandes de colposcopie. Et c'est important de pouvoir y répondre, et comme l'a expliqué Lorraine, avec des délais qui ne soient pas trop longs, parce que même si on explique des choses, les gens sont inquiets pendant cette période-là. C'est pour les adultes et le dépistage. Pour la prévention chez les enfants, c'est pédiatre, médecin traitant, gynécologue. Pour les petits garçons, pédiatre et médecin traitant. Alors, il y a la possibilité de faire la vaccination en même temps que d'autres vaccins, et je pense que c'est ce qui a à privilégier. Il faut le rappeler, hein, le taux de couverture en France, c'est-à-dire le nombre de jeunes filles en âge qui devraient être vaccinées, qui sont vaccinées, c'est 30%. Ça veut dire une jeune fille sur trois. Si on regarde ce qui se passe en Angleterre, c'est 80%. Ou ce qui se regarde, se passe en Australie, on est à 80, voire 90%. Donc en France, on est très en retard pour ça. Alors c'est des choix, il y a des choix différents. Hein, dans ces pays-là, ça se fait à l'école, donc de façon systématique. Je pense que c'est important, que ça pourrait être mal pris en France, c'est important que les gens soient informés, c'est important qu'il y ait une démarche volontaire aussi, alors pas de la part des enfants hein, forcément, mais c'est plus de la part des parents. Et moi, je vois beaucoup de jeunes femmes qui me disent qu'elles vont vacciner leur fille et notamment leur fils parce qu'elles considèrent que c'est un geste important pour protéger tout le monde. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va faire évoluer les choses. Donc en général, ça peut être fait par le pédiatre, ça peut être fait par le médecin traitant. C'est vrai que par le gynécologue, en général, c'est un âge, surtout si on le fait à 12 ans, où on ne va pas encore consulter. Ce qu'a vécu Lorraine, c'est-à-dire le dépistage, l'HPV positif, la colposcopie, les surveillances, les biopsies, les nouvelles colposcopies 6 mois ou 1 an plus tard, eh bien tout ça, je pense que les femmes qui ont vécu l'infection par le papillomavirus seront très motivées pour expliquer aux autres, celles qui ne l'ont pas vécu, combien est-ce utile de se faire vacciner avant d'être infecté pour ne pas vivre tout ça, pour ne pas vivre la colonisation, pour ne pas vivre les traitements, pour ne pas vivre tous les examens qui peuvent être vécues par les patientes, parfois pas très bien, comme on a pu le voir dans l'exemple de Lorraine, dans son histoire d'explication et d'information. Eh bien, quand on est vacciné, on n'a pas à vivre tout ça parce qu'on est protégé contre les 9 virus qui sont contenus dans le vaccin. C'est pour ça que la voix des patients est extrêmement importante, leur vécu, et que le replay sera bien sûr en rediffusion sur le site de mon réseau Cancer Gynéco pour que justement soit diffusé à large échelle et que ça puisse permettre d'avoir un taux de couverture plus élevé. À ce propos de couverture, de taux de couverture, j'ai vu passer tout à l'heure une question sur des schémas de vaccination incomplets, professeur Usan. Lorsqu'on a fait un vaccin, et qu'on a passé le délai, que se passe-t-il ? On est un petit peu embêté parce qu'on n'a pas forcément d'études d'efficacité sur ces schémas incomplet. Alors, en fait, non, il y a des études qui ont été faites qui regardaient schéma incomplet, schéma complet. Donc, on pense qu'il y a quand même déjà une bonne protection, même si on a eu un schéma incomplet. Par contre, de dire, et si on a attendu 6 mois, est-ce qu'il faut refaire une injection ou 2 injections? Bah là, c'est beaucoup plus difficile de savoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut privilégier la vaccination la plus simple, c'est-à-dire avec 2 injections entre 12 et 14 ans, par rapport à celle de 15 et 19 où c'est 3 injections. Et où je pense que ce qui est très important, c'est que lorsqu'on fait la première injection, il faut d'emblée expliquer qu'il faudra faire les autres injections et le programmer pour bien profiter d'un maximum d'efficacité. Je voulais vraiment vous remercier de nous avoir donné l'occasion de faire cette réunion, parce que c'est vrai que nous, au quotidien, on voit beaucoup de questions, on voit beaucoup d'inquiétudes, et on ne peut pas être en permanence derrière un ordinateur pour répondre aux mails ou aux questionnements ou au téléphone. Et donc, c'est là où on se rend compte qu'on a besoin des associations de patients, mais là, ce n'est même pas association de patients, c'est association de gens qui ont envie de promouvoir l'information. Et donc, j'espère qu'on arrive à faire passer ces messages. Et en tout cas, merci à vous, parce qu'on a vraiment besoin d'aide pour pouvoir communiquer au maximum et faire qu'un de moins en moins de patientes n'aient à subir ce genre de désagrément. Merci beaucoup. Alors justement, Lorraine, qui avait subi ces désagréments, qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes, aux hommes vaccinés, non vaccinés, infectés, non infectés ? Comme le disait très bien le docteur Mergui, je pense que quand on a vécu de l'intérieur les annonces diagnostiques, les colposcopies, effectivement, tous les 6 mois,
C'est une chose dont on se passerait, même si le docteur Mergui est tout à fait gentil comme médecin. C'est, voilà, j'aurais préféré ne pas le rencontrer dans ces conditions. et oui, avec du recul aujourd'hui, je pense que la balance bénéfice-risque par rapport à la vaccination aurait sans doute été très faible par rapport à ce que vous avez dit sur le risque d'un déclenchement d'une maladie auto-immune. Mais j'étais très jeune à l'époque, j'avais déjà commencé ma vie sexuelle un an avant que la question se pose d'une vaccination. Donc je pense que j'ai loupé le coche pour ça et c'est un regret aujourd'hui, mais malheureusement, je n'ai pas de prise sur ça aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est ça, pour conclure. Voilà. Je pense que sur le point on a insisté pendant la conférence, c'est-à-dire que les modalités du dépistage ont suivi, ont changé. Maintenant, c'est à partir de 30 ans, donc pour la majorité des cas, le test HPV. Donc c'est ce qui est proposé, c'est ce qui est remboursé. Je ne sais pas si on l'a dit, mais depuis le 1er avril de cette année, le test HPV est remboursé, voilà, en dépistage et en suivi. Donc ça, c'est important de le faire, mais que ça n'empêche pas d'aller quand même voir son gynécologue ou son médecin traitant ou sa sage-femme pour parler d'autres sujets et pour faire un examen physique, voilà, que ne remplace pas le dépistage, même si jamais celui-là est normal. Merci beaucoup. Monsieur Mergui. C'est de dire qu'on est tous, à un moment donné dans notre vie, en contact avec le virus, un virus ubiquitaire qui est présent depuis des centaines, des milliers d'années. On l'a retrouvé chez plein de gens qui sont morts il y a très longtemps. Et on a tous été porteurs de ce virus. Et on s'immunise tous contre ce virus à un moment donné. C'est simplement, il faut se préoccuper des personnes qui ne s'immunisent pas ou des personnes qui, parce qu'elles ont une maladie auto-immune, on leur donne un traitement justement immunosuppresseur qui va favoriser l'expression du virus. Il faudra donc un peu plus surveiller ces personnes-là et penser bien évidemment à la vaccination. Je crois que ça, c'est un message extrêmement important, qu'on aimerait bien qu'en France, on est un peu à la traîne sur la vaccination. On aimerait bien que l'ensemble de la tranche d'âge, 11-14 ans, qui doit être vacciné, le soit pour avoir plus avoir à faire de colposcopie, plus avoir à s'occuper de tous ces problèmes de papillomavirus. Voilà. On espère que la génération qui va nous succéder, Geoffroy Canlorbe et tous les autres, auront de moins en moins à s'occuper de cette pathologie grâce à la vaccination. Merci infiniment. Et nous, on espère que justement cette parole soit diffusée à large échelle, pas seulement les participants, mais que ces participants vont faire des petits et expliquer l'importance à la fois de la prévention et à la fois du dépistage. On le répète à chaque fois à nos webconférences, retournez consulter, allez voir votre gynécologue, ce qui est extrêmement important. Les associations, donc on a mis beaucoup de liens sur le chat où vous pourrez avoir de nombreuses informations, le site notamment de vous, docteur Mergui, et les associations donc telles que Patients en Réseau, Corasso qui est une association pour les tumeurs ORL, Imagine aussi pour les tumeurs gynécologiques. Voilà, écoutez, merci à tous pour cette initiative, merci d'avoir été parmi nous et je voulais remercier Alexis qui a répondu aux questions sur le chat, qui est toujours avec nous, docteur Talbot. Merci beaucoup, je pense que c'était vraiment une soirée très importante, très intéressante. Donc on a cité les trois associations de patients, donc avec Imagine, Corasso et Mon Réseau Cancer Gynéco qui vont, je dirais, particulièrement relayer, je pense, cette conférence. Et on fera en sorte aussi de la diffuser sur nos réseaux sociaux, puisqu'évidemment l'idée c'est de toucher des personnes qui ne sont pas malades aussi. Comme souvent, quand on a été concerné soit par la maladie, soit par, ne serait-ce que par ces premières, je dirais, anomalies, conisations ou autres, on est d'autant plus motivé pour éviter que ça arrive à nos sœurs, à nos cousines, à nos amis, à nos filles, etc. Donc, qu'on favorise la circulation de cette information, je crois que ça sera aussi l'objet du replay. Donc, on vous préviendra tous quand il sera en ligne. Et on espère que tout l'été et même dans les mois de septembre et d'octobre où il y aura des sensibilisations particulières pour la santé des femmes, on pourra le remettre en avant pour que cette conférence, j'allais dire, puisse continuer d'informer le plus grand nombre. Donc, merci beaucoup.